Lakota signifie lot et Koda. Talokola. Talokola veut dire où résident les éléphants. On ira là-bas tout à l'heure, vous allez voir, je vais vous montrer où est né Talokola. Voilà les grottes où résidaient les éléphants. Là, il y avait les porcs-pics, il y avait toute espèce d'animaux. Ici est sorti Talokola, dans le bois, c'est-à-dire là où est les éléphants. Là, côté, il y a l'argent, mais c'est pas heureuse. Ça est bizarre comme ça. C'est une ville, bon, je sais pas. Il y a des cas ici, mais bon, la ville n'est pas développée. Constatez-vous-même que Lakota est comme dans un bassin, comme dans une vallée. Et quand nous nous référons un peu à Ézéchiel chapitre 37, la parole de Dieu a demandé au prophète Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces ossements-là peuvent reprendre vie? Et Ézéchiel a dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Nous croyons donc que le Seigneur, sachant toutes choses, a instrumentalisé le tout 931, particulièrement la cinquième vague, centralisée ici à Lakota, pour relever les fondements qui ont été renversés. Les véritables fondements de la nation ivoirienne. Nous savons que le péché a abondé à Lakota. Et nous croyons que c'est le temps où la grâce de Dieu va surabonder dans ce département. L'atmosphère présentement est vraiment à la concentration. Et nous sentons dans l'atmosphère vraiment de l'adversité. Aujourd'hui, c'est calé. Lakota est en train de revenir à son Dieu. Est-ce que Lakota va venir à Dieu? Si aujourd'hui vous tous ici. Le roi étant là, les autorités étant là, et nous nous disons ensemble que Lakota est pour toi, Jésus. Que Lakota se tourne vers le Seigneur. Le Seigneur pardonnera la faute, il pardonnera nos péchés et il fera grâce. Dis avec moi, Seigneur, mon Dieu, aie pitié de cette ville, de moi, aie compassion de Lakota. Aujourd'hui, nous venons à toi. Pardonne nos péchés, nos égarements, nos erreurs. Aie pitié de nous aujourd'hui. La douleur était partout, à gauche, et puis mes reins. Et mes enfants, ils m'ont envoyé à l'hôpital. Hôpital, là-bas, on dit, on va t'opérer. J'ai dit, ah, ma fille, on dit, on va m'opérer. Les enfants, là, ils vont faire l'école, c'est ça, ils disent, ils vont m'appeler. Donc, on n'a qu'à aller à la pharmacie. On est parti à la pharmacie, on m'a donné un médicament, mais ça ne va pas. Quand je mange, là, j'ai des problèmes. Je ne sais pas comment faire même pour guérir. Je prends un médicament, une douzaine, je mets dans mon narine, je bois, mais il n'y a pas moyen. Je prends beurre et carité, je frotte ici, il n'y a pas moyen. Mais maintenant là, le mercredi, on est venu là. Dieu a commencé à opérer ce miracle et je suis guéri. Je remercie Dieu. Il n'arrivait pas à marcher sans sa béquille et au cours de la prière, tout à l'heure, le Seigneur l'a libéré et il commence à marcher maintenant. J'ai un fauteuil roulant, c'est dans ça, je suis assis du matin, du lundi au lundi. Ça m'arrive brusquement comme ça. Je suis allé au lit, je ne suis plus sorti jusqu'à 7 ans aujourd'hui. Je dis la première fois que je marche, il m'a fait 7 ans. On dit au niveau des genoux, j'avais une puits dedans. On m'a soigné, mais depuis là, ça est toujours là. C'est ce soir-là que le mal a disparu.
pasteur a dit que ceux-mêmes qui sont à la maison, qui ne sont pas au terrain, seront aussi visités. Et vraiment, la puissance de Dieu même allait jusqu'à la maison chez moi. Sincèrement, je ne peux pas laisser ce mot-là. Je rends grâce à Dieu. Le Seigneur a été vraiment fidèle. On a vu sa grâce, une démonstration de puissance. En tout cas, de ma part, je bénis le Seigneur. Je sentais vraiment quelque chose allait se passer dans mon esprit. Et puis vraiment, on a vu la grâce de Dieu. Des milliers de vies qui ont répondu à l'appel, des milliers de vies sauvées, délivrées. On bénit le Seigneur. Des miracles, on a vu des gens se lever, marcher, des gens qui n'avaient plus marché depuis longtemps, se lever, marcher, d'avoir recouvré la vue. Et Jésus encore a démontré la puissance de sa parole.